Hi, I'm Marlene Heuer. I'm now in Paris to interview the Grand Master Chef, Mr. Christian Lesquer, at Restaurant Le Cinq at the very prestigious Hotel Dior Cinq in Paris. I am so excited to finally meet this three-star Michelin Master Chef. He's a man of great inspiration and a composer of taste and flavor. I can't wait to hear his story and to see his beautiful palace kitchen. Well, just arrived at the reception of Hotel Dior Cinq in Paris, close to Champs-Élysées. Have you seen these wonderful decorations? I must find my way to this beautiful palace kitchen of Restaurant Le Cinq, beauty and luxury in one place. And can't wait to interview the Grand Three Stars Michelin Master Chef, Mr. Christian Lesquer. This is magic. Just wait and see. Bon, déjà, bienvenue au Restaurant Le Cinq. C'est quoi le Restaurant Le Cinq? Ah, ça fait partie des plus belles cuisines qu'on peut avoir à Paris. Ça se situe pas très loin des Champs-Élysées. Et là, vous avez un environnement où on essaye d'avoir une cuisine d'excellence. Ça veut dire quoi? C'est une cuisine qui a 3 étoiles au guide Michelin de oui. cette année. Et pour cela, il a fallu que je mette une stratégie de travail pour avoir ces 3 étoiles parce que j'avais pris un contrat sur 12 mois pour avoir 3 étoiles au guide Michelin. Alors, ce qu'il faut savoir, pendant 12 ans auparavant, j'ai eu 3 étoiles dans ce guide et j'avais une mission en venant ici rapidement de positionner ce palace dans ces 3 étoiles. Alors j'ai mis quoi? J'ai mis des stratégies. La première stratégie, je savais travailler, mais je ne savais pas le faire savoir. Donc j'ai commencé à prendre une personne qui s'est occupée de mon image. Oui. Qui s'occupait des gens, de la politique. Il m'a fait rentrer dans les réseaux sociaux. Il m'a expliqué comment on travaillait oui. dans les réseaux sociaux. Donc, je fais partie des gens très actifs sur Facebook, sur Twitter ou sur Instagram. Vous pourrez me regarder. Oui, je suis active en permanence oui. tous les jours. J'essaie de poster des choses intéressantes. Oui. Après, pour cela, j'ai mis une personne qui s'occupe de tous mes recherches et développement. Comme on va dire, comme le parfum, comme la cosmétique, comme la couture, on essaye de sortir des collections, des plats nouveaux en oui. permanence et j'essaye d'avoir un mouvement culinaire. Ça veut dire que cette personne de 8h à midi le matin va assembler des goûts, des saveurs et moi je vais faire à midi, je vais faire travailler mon palais. Oui. Après, j'ai mis une autre personne qui va s'occuper de toute la valeur humaine, qui va s'occuper en fin de compte des postes et des matières premières. Ça veut dire qu'il va mettre un équilibre humain dans chaque poste parce que dans une cuisine, vous avez la sauce, le poisson, vous avez les entrées chaudes, les entrées froides oui. et la pâtisserie. Oui. Donc, oui, c'est beaucoup, oui. C'est beaucoup de monde. Oui. Ça veut dire que tous les jours, pour faire 40 couverts, midi, et 50 le soir, il y aura toujours 14 cuisiniers qui vont du matin au soir travailler. Donc, il y a une personne qui va les encadrer de façon qu'ils soient performants. Oui, c'est une grande cuisine, oui. Voilà. Oui. Et puis, vous avez une autre personne qui va s'occuper de toute la technologie qui se passe dans le monde entier. Il sera au courant de tous les derniers, on va dire, technologique qui va passer de façon qu'on puisse avoir, on va dire, la modernité dans cette cuisine, mais qui va faciliter le travail oui. de l'être humain. Oui. Voilà qu'est-ce que c'est une cuisine dans un palace. Et 3 étoiles, guide Michelin, oui. et 5 tocs au Emilio. Et comment avez-vous fait pour devenir grand chef comme ça? Alors, comment on devient grand chef? Alors, déjà, c'est beaucoup de travail. Hein. Ça veut dire qu'une journée d'un grand chef, c'est quand même... le matin, j'arrive entre 8h et 8h30. C'est tout. Oui. L'après-midi, je fais une coupure et je me repose pendant une heure et demie. Oui. Et je reprends le soir vers les 5h30 pour finir vers les 23h, 24h. Parce que tous les jours, je vais faire un tour en salle. Et comment on devient chef? Bah, déjà, il faut être passionné. Il faut essayer de donner de l'émotion au client, oui. ça veut dire quoi? D'émotion, ça veut dire que lorsqu'on crée un plat
Oui. Au 5, si moi je vivre pas, je ne suis pas content dans l'émotion que je vais avoir. Oui. Donc j'estime qu'il n'est pas fait pour mes clients. Il faut aimer ses clients pour leur donner beaucoup de bonheur. Oui. Et il faut avoir beaucoup de techniques. Oui. Ça veut dire que je suis un homme toujours insatisfait. Mais c'est ça qui fait aussi peut-être que j'ai 3 étoiles. Oui. Parce que je suis toujours en recherche d'aller toujours plus loin. Oui. Je pense que un chef 3 étoiles, pour moi, j'ai été chef de cuisine, mais non, je suis un palais. Oui. Donc, ou un grand couturier, je crée des plats signatures. Et c'est ça qu'il faut apprendre aux chefs de cuisine. Les gens qui veulent avoir 3 étoiles, il faut qu'ils aient une identité culinaire. Et je pense que quand on vient chez moi, il y a vraiment une identité culinaire. On dit, ça c'est la cuisine de Christian Lesker. Comment je peux définir cette cuisine? Oui. Je pense que c'est une cuisine qui est très concentrée en saveur. Combien de temps vous faites pour réussir un plat? Il n'y a pas de règle finalement. Des fois, il nous faut une saison. À la fin de la saison, du produit de la matière première, on va le trouver. Alors, ça veut dire que tous les plats, toutes les recherches qu'on fait, on les codifie. Et des fois, en une semaine, on a eu un coup de magie, on va réussir. Il n'y a pas de règle. Pour ça, vraiment, des fois, il nous faudra, pour que le plat soit vraiment un très grand plat, il nous faudra peut-être 2 ou 3 ans, on va l'affiner. Ou alors c'est nos clients qui vont nous donner des idées pour la finir. C'est beaucoup de temps, oui. C'est voilà. Oui. C'est que le plat n'est jamais figé. Il évolue toujours. Au Danemark, nous sommes très occupés par le bien-être des animaux ou les produits écologiques. Oui. Vous connaissez ça ou vous utilisez ça? Bien sûr. Nous aussi, finalement, on est dans le développement durable. Les cuisiniers français, on est très attention à la nature. Il faut l'économiser, cette nature. Oui. Elle est rare. Je crois que la cuisine française ou les cuisiniers français de mon niveau ont fait très attention au développement durable, à l'écologie et au futur. Oui. Ça, c'est très important pour nous aussi. Oui. Même si on est dans un palace. Et avez-vous des conseils pour des autres chefs qui aimeraient devenir... Moi, je ne suis pas un bon conseiller. Je pense qu'il faut être... La cuisine de demain, on ne pourra pas tricher. Ça veut dire qu'il y a 2 possibilités. Soit qu'on fait une cuisine qui est cuisinée, naturelle, avec beaucoup de saveurs naturelles, oui. Apporter beaucoup de naturalité dans sa cuisine. Oui. Ou alors, on ne peut pas faire quelque chose où les clients, on doit donner du bonheur aux clients. Et le bonheur, plus ça va, on a fait de nous des gens très modernes, des chefs très modernes. Mais on ne peut pas tricher dans la transformation du produit. Il faudra apprendre à acheter des bons produits, oui. Et à les transformer simplement, mais en donnant beaucoup de longueur en bouche, de concentration dans les saveurs. Oui, d'accord. Quels sont les ingrédients les plus importants? Si vous avez 3. 3, s'il y a 3 produits qui sont importants pour moi. Ingrédients, oui. Ingrédients, moi c'est le beurre. Le beurre. Le beurre, le pain. Le pain. Et je crois quelque chose qu'on aime beaucoup, les produits de la mer. La mer, oui. Les crustacés. Oui, oui. Voilà. Bien sûr. Alors votre origine bretonne, oui. Vous apporte beaucoup d'inspiration aujourd'hui. Non, je sais qu'un chef de... Un chef de mon niveau, on est capable de transformer tous les produits. On prend le temps de faire tout ce qu'il y a. On peut être capable de faire une pizza, oui. un hamburger, qu'un grand plat, un grand poisson ou une grande viande, oui. ou un bon légume. Oui. On est capable, pour moi, je suis comme un parfumeur, comme un couturier, je m'adapte aux saisons, oui. je m'adapte aux produits. Ça veut dire que dès qu'il y a le produit, je vais le transformer je vais l'habiller, oui. pour lui donner de la valeur. Je vais l'accompagner pour lui donner de l'émotion.
je rêve d'aller au Danemark, je ne suis jamais allé au Danemark. Vous êtes 13 bienvenus. C'est pas très loin. Oui. C'est vrai que j'entends beaucoup parler de cette cuisine naturelle, oui, de très bons cuisiniers, de très bons chefs et surtout des gens qui aiment les concours de cuisine. Oui, oui. C'est des compétiteurs, le Danemark. Oui, oui. Je pense que les pays nordiques sont allés très dans le développement durable et dans le tri sélectif, oui, qui ont pris soin de la modernité, même du travail. Oui. Et je surveille justement tous ces produits nordiques, suédois, tout ça, qu'il y a beaucoup de savoir dans tous ces domaines, oui, ou un peu d'avance par rapport à nous. Oui. Pour moi, c'est beaucoup la fruits de mer ou les poissons et les plantes sauvages aussi, oui, 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 ou les recettes traditionnelles. Traditionnelles danoises. On est pareil un peu parce que moi, j'arrive aussi d'une région où, on va dire, sur les algues, les produits de la mer, les végétaux, oui, marins. Oui. On est beaucoup dans les végétaux marins aussi. Moi, ça m'intéresse beaucoup de savoir travailler un peu comme les Japonais finalement, où il y a beaucoup de traditions. Et j'essaie justement de remettre ces traditions simples dans un palace, de l'artisanat, le geste de la main. Voilà un peu comment je suis aujourd'hui. Vous utilisez les algues? Ah oui, 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 j'adore, oui, oui, oui. Je fais beaucoup d'infusions iodées. Oui. Parce que je pense que la fusion iodée est très bien dans le bien-être. Oui. Parce que je pense que la cuisine de demain, ce sera aussi sur la forme. Oui. Parce que les gens ne veulent pas vieillir. Bien les sûr. Gens font attention à leur peau. Oui. Avant, ils faisaient attention à l'apparence. Maintenant, ils font attention à ceux qui mangent. Bien sûr, oui. Parce que on a fait beaucoup de cuisine d'assemblage. Oui. Et on revient justement à quelque chose de très naturel, de, oui, très simple. Une, oui, bonne soupe, oui, un bon produit, préparé simplement, sans le dénaturer. Oui, bien sûr. Je pense qu'on vous laisse travailler ici. Merci vous bien. Avez beaucoup de choses à faire. Et oui, oui, il est bientôt l'heure de midi. Oui. Le premier client va arriver. Oui. Merci d'être venu, oui, me voir. Oui. Et merci. Très honoré. Merci bien, au revoir. Au revoir. Merci.